Bonjour mesdames et messieurs, comme Jean-Pierre Fernand, puis je remets la télé là, t'as vu. Là donc on va clasher l'arbitrap du 1-9-1-0-0, ouais gros. Donc là on va clasher un peu les conférences. Enfin la foire conférence, n'hésitez pas si vous voulez dire des trucs comme ça. Là hier c'est le Cube. C'est le Cube en ce moment, c'est le meilleur salon du plus gros salon de ouf de jeux vidéo de la Terre. Sauf les mecs, ils racontent un peu des bobards. Donc moi je suis là pour montrer les jeux de bonhomme et je vais clasher un peu parce que je trouve là ça clash pas. Tout le monde dit c'est bien, ça clash pas assez. Donc il faut clasher. Alors hier c'était la conférence Xbox One, la nouvelle console de Microsoft. Alors la nouvelle console Microsoft, faut savoir, déjà elle est. Mais un truc de ouf, c'est une Freebox Revolution machin. C'est une bête de boîte de sa race. Et t'es obligé de connecter à Kinect, sinon c'est même pas la peine tu joues, donc ça veut dire tu veux jouer à Wallplay, c'est fini, t'es filmé, voilà, t'es filmé, tu joues à Wallplay, tu fais Zizicopter, c'est mort, toute la terre voit Zizicopter. T'es ouf aussi, pourquoi tu fais Zizicopter quand tu joues. Et en plus, truc de ouf, faut être connecté une fois par jour, comme ça, faut être connecté une fois par jour, sinon le jeu il marche pas, il marche abs le jeu si t'es pas connecté une fois par jour. Le mec il a décidé ça, franchement il a un problème. Moi je comprends pas pourquoi ils font ça les gens. Enfin bref, passons. Là on est pour parler des jeux de bonhomme. Pour voir si s'il y a des vrais jeux de bonhomme pendant les trucs. Donc alors, premier jeu de bonhomme, truc qui arrive direct, Hideo Kojima, le gars qui a fait Metal Gear. Et il arrive, il fait ouais Metal Gear 5, hein, c'est trop bien, Metal Gear 5 dans le désert, Metal Gear 5 les cowboys. Non mais réveille-toi gars, t'as dit, on avait 3, on en est au 5ème là. Déjà la dernière fois tu nous as fait le Metal Gear Gériatrie et maintenant tu nous fais Metal Gear John Wayne. Allez ouf le Metal Gear John Wayne. Mais ouf toi, faut arrêter. Arrête direct. Donc les mecs en plus tu leur montes Metal Gear, ils sont comme ça. Ils disent comme ça, ils tournent la tête, tac tac le petit poney bleu. Hein. Ça c'est pour dire les mecs qui sont spectateurs, ils sont ouf. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait voilà, un jeu de bonhomme ça. Bah c'est pas un jeu de bonhomme. Un autre jeu trop pas de bonhomme. Le mec il a mis des Romains. Des Romains, imagine, il aurait mis des Roumains, ça aurait fait la même chose. Donc le truc c'est Rise, ça s'appelle. C'est un jeu, alors voilà, c'est un jeu de guerre, mais de guerre des Romains. C'est-à-dire t'as pas d'armes. C'est-à-dire t'as une jupette. Tu pètes ton cœur, tu crois c'est un jeu de bonhomme, tu pètes ton cœur. Et à un moment tu vois dans la vidéo, ils sont comme ça, formation tortue, comme dans Astérix, formation tortue, et le gars il crée des lances comme ça. Il crée des lances. Le truc de ouf, déjà le jeu trop réaliste quoi, tu crées des lances. Ensuite ils ont fait venir une voiture. Pourquoi il faut venir une voiture? C'est pas le salon de l'auto ici. Ils ont filmé qui ramène sa voiture. Voiture orange, bon. Et en fait, c'était pour annoncer Forza Motorsports McLaren. Ah, le mec, franchement, il n'y a que Dominique Chapat qui a kiffé. Franchement, c'était pas terrible leur truc. Hein. Un autre truc. Après, ils disaient, il y avait le buzz internet, genre. Ils vont sortir une vieille licence. Alors déjà les mecs des licences ils en ont pas beaucoup hein. Alors c'est normal, elles sont toutes vieilles. Alors les mecs ils s'attendaient à quoi? À Jet Force Jimini, Conquer Baffer Day. Non non, qu'est-ce qu'ils ont sorti les gars? Coming to your home in 2013. Killer Instinct. Killer Instinct, les mecs ils ont sorti Killer Instinct. Le jeu qui est mort-né. Le jeu il était mort-né. Pourquoi il s'est vendu le jeu sur la Super Nintendo? Parce qu'il était vendu qu'un CD. Les mecs, ils étaient tellement galères, ils voulaient un CD. Et la cartouche était noire, alors ils se disent collector. Ah, les mecs, des fois, ils voient un truc, c'est collector. Et franchement, t'aurais mieux fait de faire Battletoad. Battletoad, on serait éclaté. Battletoad, vrai jeu de bonhomme. Ah, une annonce, j'ai trop pas compris. Regarde. Le mec, il ressort Minecraft. Minecraft il est sorti 1000 fois sur PC, il est sorti 1000 fois sur Xbox 360, le mec il le ressort sur ce Xbox One. Puis franchement on peut pas dire que ça soit une avancée technologique les graphismes, ça reste des cubes et des pixels mec, réveille-toi. Hein. Si tu veux faire un jeu, tu fais pas Minecraft. Puis attends le mec il est là, ouais, les jeux indépendants. Attends, il s'est vendu à 6 millions sur ta console le truc. Ça fait longtemps c'est chez Mojang que c'est plus des indépendants, ils roulent en Porsche, ils roulent en McLaren avec Dominique Chapat. Après ils ont montré...
encore une suite. Attends, les suites, y a que ça. Les mecs, ils sont là. Capcom qui arrivait, Capcom, il arrive. Alors tu te dis, ouais, ça va être quoi? Street Fighter? Ça va être Megaman? Non, non, rien à voir. Rien à voir. Les mecs, c'est la mode des zombies. On te fait Dead Rising 3. Alors Dead Rising 3, c'est comme Dead Rising 1 et c'est comme Dead Rising 2. Sauf que c'est le 3 avec dedans, attends, truc de ouf. T'as une voiture. Une voiture pour tuer les zombies. Truc de dingue. Non mais faut arrêter, franchement quand c'est comme ça, t'arrêtes les jeux. Tu te mets à faire du vélo. Franchement, les zombies, il y en a trop marre. Arrête avec ça, avec tes zombies là. Ah bah en plus, prochain jeu car il y a des zombies encore. Mais celui-là, c'est un vrai jeu de bonhomme, attention. Prochain jeu, Plante versus Zombie, Garden Warfare. Alors le truc de ouf, concept de ouf. Les mecs, il a fait Plante versus Zombie, mais il a fait un jeu de guerre avec. Mais Plante versus Zombie, c'est un vrai jeu de bonhomme, c'est un vrai jeu qui a l'air bien. Donc là, la Plante versus Zombie Garden Warfare, franchement, on a vu quoi? On a vu trois images, on n'en sait rien du tout du jeu. Mais franchement, ça a l'air chambé. Ça a l'air chambé, moi je le veux. Par contre, exclusivité Xbox, vas-y. Je crois, moi je continuerai à jouer sur la tablette. Hein. Je vais pas acheter une console qui me surveille pour ça. Donc voilà, ça c'était un peu les moments forts. Mais à la toute fin, les mecs, il y a annonce que tout le monde attendait. La sortie, donc sortie novembre 2013 par là, mes skins et tout. Et ils ont sorti le price, les mecs. Et je crois le price, c'était le lol du jour. Le price, mon petit père, 499 €. Ah, 499 €, c'est plus que ton RSA, mec. Ah, tu veux de console? Mets-toi crédit à vie. En plus, la console, elle te surveille et tout. 499 €, la console. Arrête, faut arrêter. Faut arrêter, surtout, franchement, on n'en veut pas trop les jeux. Donc voilà. Moi, ce que je vais dire, là, je vais finir là-dessus. La conférence Microsoft, bah, ils ont montré du jeu pour les pélos, c'est pas des jeux de bonhomme. Ils ont montré rien quasiment aux jeux de bonhomme, à part Plants vs Zombies et tout. Ah, par contre, ils ont sorti des licences, on ne fallait même pas. Faut les laisser enterrer sous la terre, hein, c'est les momies, les trucs. Hein. Et voilà, donc en gros, grosse annonce, c'était le prix. Donc 499, c'était pas l'annonce, c'était la blague. Et ensuite, c'était la sortie fin de l'année, hein, direct. Hein. Alors voilà, moi ce que je t'ai dit, c'est on finit direct, hein, c'est Clash Elite. Et là, on va voir après pour la PS4. Et franchement, ça va clasher dans les chaumières. Moi, je te le dis direct, ça va clasher. Et c'est un truc de ouf, de malade mental. Alors maintenant, tu fermes ça direct et on se revoit pour la PS4. Ok, gros.